dans le 6e arrondissement, ces dernières semaines, le maire du 6e, la ville de Paris, des riverains nous ont signalé une recrudescence de familles qui séjournent sur la voie publique et qui dorment sur la voie publique avec des enfants, parfois en très bas âge, hein, puisqu'on a notamment en tête une famille de 4 enfants, dont le dernier a 2 mois et l'avant-dernier a 1 an et demi. Nous engageons des actions avec nos services spécialisés, avec nos effectifs de voie publique, qui vont au contact de ces familles, aux fins d'identification. Donc c'est ce que la main courante parle de recensement, mais voilà ce dont il s'agit, hein, donc d'identification. Et nous proposons à ces familles des solutions d'hébergement d'urgence afin qu'elles ne restent pas avec des enfants sur voie publique. Le terme d'éviction, il doit se comprendre comme étant les actions qui sont menées lorsque les familles demeurent sur la voie publique, en dépit des mesures d'assistance que nous proposons. Oui, alors effectivement, il y a des actions qui sont menées afin de faire cesser ces situations. Hein, donc, mais on ne peut pas parler d'éviction systématique.